WZ4. Alors maintenant, à vous de jouer. Sur TF1, gardez la bonne position. Avec FedEx, Transport Express International. Force, énergie, performance. Retrouvez le meilleur de la F1 avec les shampoings Elsev Homme de L'Oréal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TF1 pour suivre la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 2004, le Grand Prix de Malaisie. Alors il y a 15 jours en Australie, c'était très matinal, c'était 4h du matin. Ce matin c'est un tout petit peu plus supportable, il est seulement 8h, bientôt 15h là-bas en Malaisie. On va retrouver à ses pans Christophe Malbranque et Jacques Lafitte. Il y a quelques minutes messieurs, vous nous parliez de 20% de risque de pluie. Eh bien on a l'impression maintenant qu'on y est dans ces 20%. Est-ce qu'il pleut sur la grille de départ maintenant Christophe et Jacques? La 7ème place. Et pour l'instant, Fernando Alonso a pris un départ tonitruant et remonté à la 8ème place. On marque très rapidement une pause et on se retrouve très vite. A tout de suite. Pourquoi payer plus cher pour la même chose? Opération coup double chez Feu Vert. Vous achetez un pneu, le deuxième est gratuit. Feu Vert, longue vie à votre auto. La vitesse vous manque? L'ADSL au débit illimité de Cegetel. 512K à 14,90€ par mois. Si on y réfléchit, c'est Cegetel qu'on choisit. It's a mystery. But there's a lot of speculations. That makes me a bit afraid of myself. I have sold 42 cars. 42 cars in one day. It's crazy. It's kind of like we were influenced in some way at the same time, all of us. But how? Découvrez tout sur le mystère de Dallaro et la nouvelle Volvo S40 sur volvocars.fr. Donnez un coup de jeune à votre moteur. Voici les nouveaux dossiers officiels Star Trek en DVD. L'intégrale des films et de la série télé La Nouvelle Génération. Le numéro 1, le film Premier Contact en DVD et le fascicule, 4,95€ seulement. La différence, c'est Quattro. Quattro de Wilkinson. Le premier rasoir 4 lames au monde. 4 lames Wilkinson combinées à deux plaquettes enrichies à l'aloe vera et à la vitamine E. Une peau aussi douce, aussi longtemps, ça vous tente? Nouveau Quattro par Wilkinson. Force, énergie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings Elsev Homme de L'Oréal. Retour à Sepang pour ce deuxième Grand Prix de la saison, un Grand Prix déjà fou avec pas mal d'animation. Ici on est avec le groupe Heidfeld, mais Coulthard, Alonso toujours dans les points, il est 8ème. On revoit ce gros freinage de Ralf Schumacher et on marque une pause. Testons l'efficacité du gel Vibeldop fixation extrême. Ultra concentré en agent fixant, sa formule permet de créer des coiffures extrêmes qui résistent à toutes les folies. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Gel Vibeldop fixation extrême, coiffez toutes vos envies. Dop. Chez Speedy, pour votre sécurité, nos techniciens révisent régulièrement leurs connaissances. Aujourd'hui, les amortisseurs. Parfois, ils en font même un peu trop.
Ah, chez Speedy, les amortisseurs sont à moins 25%. Attends, chez Speedy, Speedy. Alors toi aussi, tu veux surfer sur le net sans dilapider tes pépettes? Arrête ta quête! Avec 9 télécoms, le haut débit limité 512K est à 14,90€ par mois. T'en crois pas tes mirettes? T'inquiète, c'est pas gadget et en plus t'en prends pas pour perpète. T'essayes et si ça te plaît pas, t'arrêtes. Il est pas chouette le net. 9 télécoms. 14,90€. Appelez gratuitement le 1099. Bonjour, je voudrais un fraisier s'il vous plaît. Un fraisier s'il vous plaît. Fraisier 15€ avec Mastercard. Vinyle, 37€ avec Mastercard. Fleurs, 25€ avec Mastercard. Alex ? Alex, papa. Quoi qu'il arrive, restez l'homme de sa vie. Ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Avec les pellicules, c'est l'éternel retour ? Maintenant, c'est fini. Garnier Fructis, le premier shampoing anti-pelliculaire et anti-récidive au concentré actif de fruits. Dès la première application, Garnier Fructis est très efficace contre les pellicules. Et c'est prouvé. Son efficacité persiste 4 semaines après l'arrêt du traitement. C'est un adieu aux pellicules. Les cheveux brillent de toute leur force. Garnier Fructis anti-pelliculaire anti-récidive. Garnier. Scénic. Les grands voyageurs en rêvent depuis bien longtemps. Découvrez Grand Scénic, comme un Scénic, mais en plus grand. Force, énergie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings Elsev Homme de L'Oréal. Michael Schumacher, toujours en tête du Grand Prix de Malaisie à Sepang. Après 20 tours, il devance Juan Pablo Montoya de 3 secondes 8. Raikkonen est 3e, 8e. On marque une nouvelle pause, on se retrouve très vite. Les pellicules, c'est l'éternel retour. Dites stop. Garnier Fructis, le premier shampoing anti-pelliculaire, anti-récidive au concentré actif de fruits. Il agit dès la première application. Et jusqu'à 4 semaines après l'arrêt du traitement. C'est un adieu aux pellicules. Les cheveux brillent de toute leur force. Garnier Fructis anti-pelliculaire anti-récidive. Garnier. Pourquoi payer plus cher pour la même chose? Opération coup double chez Feu Vert. Vous achetez un pneu, le deuxième est gratuit. Feu Vert, longue vie à votre auto. Au même instant, lors d'un dîner... On a été privé de réseau pendant 2 jours. Un virus internet. Oh. Nos ventes en ont pris un coup. Et vous? Tous nos fournisseurs ont été touchés. Ça me rend malade. Normal, c'est un virus. Tu es bien silencieux, Eric. Notre réseau n'a pas été touché. Quoi? Non? Non. L'addition est pour toi. Cisco, des réseaux capables de se défendre tout seuls. Cisco Systèmes, profitez du réseau, maintenant. Electric shivers cross my skin. It's like a fever, and you're my only medicine. Nouveau parfum Axe Touch. Touchant. Très touchant. 14,90€ par mois, le haut débit limité 512K de 9 télécoms. Moi je l'ai, mais comment ils font? 9 télécoms. 14,90€. Appelez gratuitement le 1099. J'ai ici le nouveau parfum pour homme. Il va falloir vous y habituer. Polo Wembley Klim TDI, 13 590€. Fini l'effet mouillé qui sèche trop vite. Garnier Fructistyle crée Wet Shine. Le premier gel coiffant effet mouillé, effet brillant. Il reste longtemps mouillé. Wet Shine.
Pour briller et rester mouillé, mouillé jusqu'au bout de la nuit. Nouveau Fructistyle Gel Wet Shine. Garder un style mouillé, c'est brillant. Garnier. Force, énergie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings Elsev Homme de L'Oréal. Michael Schumacher toujours en tête à 21 tours de l'arrivée, mais 4 secondes et 4 dixièmes d'écart seulement sur Juan Pablo Montoya qui est en train de revenir. Le Colombien, il cravache, il a encore repris 4 dixièmes dans le dernier tour. Aussi est 5e devant David Coulthard. Fernando Alonso occupe la 7e place devant Takuma Sato. On marque une nouvelle pause, à tout de suite. Nicorette vous propose un patch 16 heures pour combattre les cigarettes la journée et passer une nuit sans nicotine. Nicorette patch 16 heures. Médicament réservé à l'adulte. Demandez conseil à votre pharmacien. C'est un peu comme un airbag. Un airbag ? Imagine, je suis à l'aéroport, je regarde mes mails, je fais tomber mon ThinkPad. Il sent qu'il tombe et le disque dur anticipe le choc, comme un airbag. Alors si je le fais tomber, il va juste encaisser le choc. Ah ouais. C'est pas mon portable. L'addition. Le sans fil anti-mal adresse uniquement sur ThinkPad avec technologie mobile Intel Centrino. Évadez-vous. Château d'Axe, des salons qui changent tout. HDI 110 chevaux, Citroën Xara Picasso. Force, énergie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings Elsev Homme de L'Oréal. Michael Schumacher en tête du Grand Prix de Malaisie à 7 tours de l'arrivée. Il devance Juan Pablo Montoya de 9 secondes 9 et l'énorme performance après celle de Fernando Alonso en Australie du podium de l'Espagnol. C'est le podium qui se profile pour Jenson Button, actuel 3e avec la Baronda. Il devance Grand Prix, 2 victoires en 2 courses. Le podium Schumacher, Montoya, Button. On marque une pause et on se retrouve pour la cérémonie du podium. A tout de suite. Performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings Elsev Homme de L'Oréal. Vous testez tout ? Jusqu'au 30 avril, venez tester le Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque ? Être direct quand on assure votre voiture, c'est être disponible, clair, rapide et bien sûr plus économique. Être direct est le meilleur service à vous rendre. Quand on traverse Fès, on a souvent l'impression de traverser un musée.
Et bien que ces portes soient toujours ouvertes, on a vraiment du mal à la quitter. Pelé Proofmonk, le gardien du manuscrit sacré. Chow Yun-fat doit trouver son successeur. Sean William Scott sera-t-il relevé le défi? Pelé Proofmonk, le gardien du manuscrit sacré, une production de John Woo. Maintenant en DVD. BMW Série 3 Préférence Business, à découvrir lors des journées Préférence en mars chez votre concessionnaire BMW. Jeff Hall, Jamelia, Hilary Duff, Corneille, Kevin Little, Bonnie Tyler et Karine Anton, Andreas Johnson, Tragédie, ils sont tous dans Energy Hit Music Only, l'album de tous les hits, avec Energy. Au même instant, dans le bureau de papa. A tout de suite ma puce. Des réseaux capables de se défendre tout seuls. Cisco Systèmes, profitez du réseau. Maintenant. Sherilyn Austin, âgée de 23 ans, domiciliée à Westwood. L'épreuve semble désigner un Japonais. Je pourrais peut-être vous suggérer une stratégie. On est devant un meurtre et je veux le résoudre. Vous avez déjà eu à négocier avec des Japonais. Ne sous-estimez jamais votre adversaire. Je savais qu'il lui ferait quelque chose. Je ne suis pas dans le coup. Je peux vous le prouver. Je crains que ça ne soit pas une bonne idée. Quoi qu'il arrive, ne perdez pas votre sang-froid. Je ne perds jamais mon sang-froid. Nous sommes en train de jouer à un petit jeu qui est très à la mode. Quel petit jeu? À s'attraper. Soleil levant, ce soir à 21h30, sur TF1. Sur TF1, la Française des Jeux vous invite au cinéma. Allez, bon film! Avec Morpion. Performance et le talent de la F1 avec ERA, réseau d'agences immobilières. L'innovation en pole position. La F1 avec les magasins Digital Group. Images sont multimédia ménagées. Et on se retrouve pour le podium du Grand Prix de Malaisie qui vient de se terminer à Sepang. Michael Schumacher vient de remporter la course. Il a gagné donc la 72e victoire de sa carrière. Deux pole positions, deux victoires cette saison pour Michael Schumacher. C'est un petit chelem, Christophe Malbranck et Jacques Lafitte. Est-ce qu'on peut dire quand même que cette victoire, cette deuxième de la saison, a été un peu plus difficile, un peu plus contestée par ses adversaires aujourd'hui? Bah écoutez, franchement, vous voyez l'écart à l'arrivée, il y a 5 secondes qui ne signifient pas grand-chose, mais ça a vraiment rarement varié entre 5 et 6 secondes. Un peu à la fin, on a relâché chez Montoya parce que Ralf Schumacher avait cassé un moteur. On a dû lui intimer l'ordre de tirer un peu moins de tours sur son moteur. Mais oui, la domination, elle est quand même là, mais c'est vrai qu'elle est moins flagrante. On le savait, hein, Schumacher avait dit que la course serait difficile.
Le Premier ministre remet ce 72e trophée à Michael Schumacher. C'est le nouveau Premier ministre ou c'est l'ancien? Parce qu'il y avait des élections aujourd'hui ici. Vous avez une colle là, si vous voulez. Je suis pas très fort en politique malaisienne. Question technique, mais je réponds. J'ai une chance sur deux, je peux vous dire oui ou non. C'est pas... Juan Pablo Montoya, il était heureux en franchissant la ligne, un petit peu moins sur le podium. C'est un chasseur de victoire lui aussi, et pour l'instant, il doit bien s'avouer vaincu par Michael Schumacher, qui a été exemplaire. Troisième place pour Jenson Button, qui lui peut être absolument tout sourire. Car c'est son premier podium en Formule 1, j'ai envie de dire enfin, parce qu'il l'a attendu ce podium. C'est également le premier podium de Honda. Les trois monoplaces, et j'ai envie, messieurs, de vous demander une petite analyse sur ce deuxième Grand Prix de la saison. On a vu que la hiérarchie était plus ou moins la même, mais en tout cas, ça s'est resserré tout en haut du classement. Ben oui, moi je crois qu'on a quand même vu une petite domination de Ferrari aux essais et en course. La bonne surprise, elle vient de Button, c'était le cas aussi à Melbourne, mais en tout cas, ils ont confirmé qu'avec les fortes chaleurs, la voiture était dans le coup et le moteur aussi. Satisfaction pour Renault, il y a deux voitures à l'arrivée dans les points. C'est important pour le constructeur. Ça a été aussi pour Alonso et Trulli. On sait les malheurs de Alonso. Et puis aussi une bonne performance de Massa. Une course agrémentée d'une petite pluie qui nous a bien aidé en début de séance. En tout cas, un Grand Prix passionnant à suivre. On s'est un peu enquiquiné, mais j'allais dire. Ça a été un peu lent à un moment de la course. Et puis après le début, du moins, oui. le deuxième stint, le deuxième relais était un peu plus normal, on va dire, avec moins d'attaques. Plus long en même temps, il y avait plus d'essence. Voilà, il fallait également économiser les pneumatiques. Tout le monde est resté tranquille au niveau de la mécanique. En tout cas, encore de la Scuderia Ferrari, et puis je vous dis la grande satisfaction pour ce qui est important aussi pour Button et Baronda, et puis la stabilité, j'allais dire, de Williams BMW, et la surprise vient du fait qu'on a cassé un moteur avec Ralf Schumacher, ce n'était pas prévu certainement. Ça c'est vraiment, je pense qu'il y a dû avoir un petit problème, comme il y a eu un problème avec Mercedes la dernière fois. Et puis même avec Kimi Räikkönen qui encore une fois se fait deux moteurs en deux courses, il faut évidemment attendre les causes de ces abandons, parce que même si c'est le moteur, ça peut être une périphérie du moteur qui endommage ce dernier, donc attention évidemment à être prudent là-dessus, mais c'est vrai que en tout cas ce qui est certain c'est que chez McLaren ça va quand même un petit peu mieux en termes de performance. Rappelez-vous, il y a 15 jours Coulthard était à un tour, c'est pas bien bien meilleur, mais il est à 53 secondes et deux fois dans les points. Voilà. Oui, deux fois dans les points, et puis il y a un resserrement général. Schumacher n'a pas gagné avec 40 secondes d'avance. Il est là, il était à la merci pendant une grande partie de ce Grand Prix du chasseur Montoya, et franchement il a eu un peu de difficulté Montoya, parce qu'il s'est retrouvé derrière Barrichello après son ravitaillement, et ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Allez, on va vérifier et confirmer ces classements avec Michael Schumacher qui remporte sa 72e victoire, 5 secondes devant Juan Pablo Montoya. Jenson Button se classe 3e, premier podium pour le Britannique et pour Honda. Rubens Barrichello 4e, ces 4-là se tiennent en 13 secondes 6, ce qui est infime. Jarno Trulli, après une course exemplaire, se classe 5e, on l'a vu souffrir en fin de course, sans doute un petit problème physique, en tout cas on ira lui demander. David Coulthard termine 6e, c'est la deuxième fois que le Britannique rentre dans les points. 7e place pour Fernando Alonso qui fait sa performance en partant depuis la dernière ligne et qui devance Felipe Massa. Les classements, vous venez de les découvrir, nous ne les avons malheureusement pas à l'image nous-mêmes. En revanche, sachez qu'avec deux victoires, c'est assez simple, Michael Schumacher est en tête de ce championnat. Barrichello est deuxième, Montoya troisième, Button quatrième, Alonso cinquième, Trulli sixième. Alors les constructeurs, c'est évidemment toujours Ferrari. Williams devance Renault et Barr en quatrième position. Excusez-nous, mais on a évidemment Ferrari indication. Toujours en tête. Second for BMW Williams, Juan Pablo Montoya. Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya et Jenson Button sont avec nous pour la conférence de presse. Nous allons les écouter. Michael, vous pensiez que ce serait plus difficile ici? Ça a été évidemment très difficile. On a vu que...
Ça a été compliqué, mais vous remportez une superbe victoire. Oui, c'est vrai. Au moment où on avait besoin d'être rapide, on était juste assez rapide en début de relais et en fin de relais. Mais au début de relais, c'était vraiment très très difficile. C'était imprévisible. On ne savait pas où se trouvait l'eau, à quel virage. On n'avait aucune référence là-dessus et ça ne nous a pas aidé, évidemment. Donc on a dû être très prudent. Dans le même temps, il fallait évidemment faire attention à Juan qui essayait d'avoir une opportunité de me passer. Donc à chaque fois, après et avant les arrêts au stand, c'est vrai qu'il se rapprochait très dangereusement et rapidement. Il était vraiment très serré, très près de nous. Et donc il a fallu se battre jusqu'au bout. Est-ce que c'était une course difficile? On a parlé évidemment de la chaleur. Et il y a eu en plus beaucoup de pression. Ah oui, il y a eu des pressions tout au long. Vous savez, le circuit de Sepang, c'est un circuit très très difficile. C'est déjà suffisamment chaud pour que, il fait déjà suffisamment chaud pour qu'on ait une course difficile. Mais en plus, comme il y a eu le soleil, ça ne nous a pas aidé. Mais bon, ça ne me dérange pas d'avoir un peu de soleil. Je pense que ça n'a pas dérangé mes collègues non plus. Juan Pablo, vous avez fait le meilleur tour en course. Vous avez mis de la pression sur Michael. Parlez-nous de cette journée. Bah, rien ne s'est très bien passé. Vous savez, dans les premiers tours, je me suis retrouvé devant Rubens qui avait commis une erreur. Ensuite, j'ai pu passer. Je voulais rattraper Michael. La voiture avait l'air meilleure. Les pneumatiques fonctionnaient de mieux en mieux dans le relais. Et vous savez, c'est dommage de ne pas avoir doublé tout de suite Rubens Barrichello parce qu'il m'a bloqué au début. Mais vous savez, c'est vrai qu'il a fallu donc que je lève un peu le pied, que j'assure les points. Et ensuite, eh bien, lors de son ravitaillement, j'ai pu le passer. Vous étiez proche de Michael. Vous avez comparé évidemment les deux voitures. Est-ce que vous pensez pouvoir aller chercher le championnat? Vous savez, bien sûr, on a besoin d'effectuer pas mal de travail, mais il faut qu'on travaille beaucoup parce qu'ils sont un petit peu devant, et pour cela, il faut absolument être constant, avoir une voiture capable de gagner partout. Et pour l'instant, nous, on est proche sur certains grands prix, sur certains circuits, mais on a encore pas mal de travail, et eux, ils avaient fait du très bon travail ici. Jenson, vous devez être ravi. Oui, je suis très très content. L'équipe a travaillé vraiment très très dur pour obtenir ce résultat. Mais c'est vraiment bien, on a fait un pas dans la bonne direction. Et il faut vraiment, j'attends avec impatience de me retrouver avec l'équipe pour aller les féliciter. Voilà Thomas, ce que nous disaient les trois pilotes à l'issue de cette course épique avec Michael Schumacher devant Montoya et Button troisième. Merci Christophe Malbranque, merci Jacques Lafitte, merci à Franck Montagny. Il y a les deux extrêmes à cette conférence de presse. Juan Pablo Montoya et Schumacher sont des habitués, c'est le 124e podium de Schumacher. Et puis pour Button, c'est la première fois. C'est donc les deux extrêmes qui se rencontrent à l'arrivée de ce Grand Prix de Malaisie. Le prochain rendez-vous avec la Formule 1, c'est Bahreïn, c'est dans 15 jours. Un Grand Prix dans le désert, une grande première pour tout le grand cirque de la Formule 1. Restez avec nous dans quelques minutes, c'est Automoto avec les premières analyses, les plus belles images de ce Grand Prix de Malaisie. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, toute l'actualité auto et moto. A tout à l'heure. Performance et le talent de la F1 avec ERA, réseau d'agences immobilières. L'innovation en pole position. La F1 avec les magasins Digital Group. Images sont multimédia ménagées. Pour les situations extrêmes, déodorant gel antitranspirant Menen Extrême. Il résiste aux conditions extrêmes de chaleur et d'humidité jusqu'à 48 heures. Même dans les situations les plus extrêmes. Gel antitranspirant Menen Extrême. Menen, pour nous les hommes. Et aussi billes sans alcool antitranspirante Menen Extrême. Il n'y a pas de temps à perdre. Pendant les jours trop courts, vous n'avez que du 8 au 22 mars pour vous offrir une Peugeot au prix d'une promo. La différence, c'est Quattro. Quattro de Wilkinson. Le premier rasoir 4 lames au monde. 4 lames Wilkinson combinées à deux plaquettes enrichies à l'aloe vera et à la vitamine E. Une peau aussi douce, aussi longtemps, ça vous tente? Nouveau Quattro?
par Wilkinson. Prenez vos cheveux en main. Moi, Jacques Desange, je sais que de beaux cheveux commencent par un cuir chevelu sain. Pour les hommes, j'ai créé le shampoing Quotidien Express, action combinée cheveux plus cuir chevelu. La vitamine PP tonifie le cuir chevelu et le silicium discipline les cheveux. Chez vous, au quotidien, faites le test. Dès la racine, vos cheveux sont plus forts et plus beaux. Vraiment maîtrisés. Nouveau shampoing homme Jacques Desange, toute ma compétence professionnelle pour nos cheveux.